petite vidéo avec la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell pour te reconnecter à ta véritable essence et activer certaines mémoires cellulaires. Si tu connais pas cet oracle, il est magnifique, ce jeu, il est vraiment magnifique. Allez, allons-y. Je vais te créer plusieurs vidéos juste avec une carte comme ça de ce jeu. Comme ça, tu pourras aller vers la carte, la vidéo qui t'inspire dans le moment présent. Parce que c'est ce qui compte en fait, hein, c'est de suivre ce que tu ressens dans le moment présent, à l'instant. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Dansez. Tu peux danser, tu peux peindre, tu peux chanter, tu peux faire de la musique, tu peux aller marcher. Fais quelque chose pour changer ta vibration. Regarde comme elle est belle, cette femme. Elle est en train de danser. La danse, c'est aussi la fluidité. Il y a une notion de... C'est le mouvement, il y a une notion de fluidité. Tu peux voir sa robe aussi qui est légère. Fluidité, légèreté. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'on t'amène à retrouver justement de la légèreté pour pouvoir retrouver de la fluidité. Si tu fais du yoga, tu peux faire des enchaînements de postures. Alors le plus connu c'est la salutation au soleil, mais il n'y a pas que ça. Et en fait c'est comme une danse, vraiment comme une danse. Alors regarde, dans l'activité que tu pratiques, il y a peut-être possibilité de vivre ta pratique comme une danse dans cette fluidité et dans cette légèreté. Rebecca Campbell te dit, la vie est toujours en mouvement. Si tu résistes à ce changement qui s'opère en continu, ton énergie stagnera et tu tomberas hors du flux de l'univers. L'univers possède une force intelligente, mystérieuse, un battement rythmique, naturel, qui gouverne toute la vie. L'un des meilleurs moyens de changer ton énergie, ta fréquence et ta vibration est de mettre de la musique et de danser en rythme. Regarde si tu es resté trop statique. Le mouvement, c'est la vie. Reprenons. Quand nous dansons sans retenue, notre esprit se débranche et à chaque nouveau mouvement, déhanchement et pas de danse, nous sommes réalignés en harmonie avec l'énergie de la vie. Déplace-toi en faisant quelque chose qui change ta vibration. Mets de la musique, danse en retenue et plonge dans la fréquence de la vie. Ce faisant, ton corps commencera à apprendre comment être touché par ton intuition qui est connectée avec ce rythme systémique. Si la danse ne t'attire pas, alors fais simplement quelque chose que tu ne ferais pas habituellement pour changer d'énergie. Tu ne peux pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé. Je crois que c'est Einstein qui a dit ça. Et tu ne peux pas attirer une nouvelle expérience sans changer d'abord ton énergie. Il est temps de changer les choses et de trouver le moyen de danser avec le rythme de la vie. Danse ou fais quelque chose pour changer ta vibration. Je vais prendre... j'ai déjà le petit livre entre les mains. Tu vois, je vais faire ça, comme ça, et je vais m'arrêter, hop, ici. On a autre chose aussi. Et c'était juste le travail, un autre travail de la lumière avec la sororité de la rose que je voulais voir. Entoure-toi de beauté et crée de la beauté partout où tu vas. Entoure-toi de beauté et crée de la beauté partout où tu vas. Voilà, tu peux aussi... Danser, ça peut être ça aussi. Créer de la beauté partout où tu vas. Danser, ça peut être danser avec la vie. Accueilles-tu la vie telle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu dis non? Est-ce que tu résistes? Voilà. Est-ce que tu ne pourrais pas maintenant te mettre à danser avec la vie?
Je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la voix des artisans de lumière pour cette série-là. Merci à toi.